allez bien? Je suis contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Et là, ça va être un vlog assez particulier puisque je vais vlogger un peu la destruction de cette pièce. Oui, le changement de cette pièce qui ne va plus du tout être un bureau, make-up, etc. qui va devenir la chambre de mon petit crapouillou. Et ici, là, oui, il va y avoir une porte qui va nous permettre d'accéder à l'étage puisque nous sommes en train de faire les combles. Et j'avais envie de vous partager un petit peu cette aventure parce que je ne sais pas si j'en ai vu sur YouTube, mais en tout cas... voilà, j'avais envie de vous partager l'aventure, l'aménagement de combles, comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais mettre en place. Je vais essayer de vous faire un vlog condensé avec l'étape 1. Là, ma pièce est encore, entre guillemets, normale. Ils sont déjà en train d'aménager les combles et ensuite, ils vont venir mettre l'escalier et faire la fameuse porte ici pour pouvoir y accéder. Et cette pièce-là va changer, va devenir la chambre de mon petit dernier. Comme ça, chacun aura sa chambre. Donc j'avais envie de vous partager ça avec moi. N'hésitez pas dès maintenant à vous abonner si ça vous plaît, ce style de vidéo. À liker dès maintenant. Oui, oui, comme ça, c'est fait. Et puis, je vous fais d'abord la petite room tour, entre guillemets. Et on va découvrir ensuite, à travers cette vidéo, le déménagement de ce bazar. J'ai peur d'enlever déjà tout ça. Et l'aménagement à l'étage, puisque l'étage sera un bureau avec tout mon bazar à moi et une chambre d'amis pour nos invités, ma maman, etc. Donc, let's go! Quand je rentre dans cette pièce, on a donc une porte, on voit le lit de mon fils parce que pour l'instant, il dort ici, même si c'est pas encore sa chambre officiellement. Et on peut voir mon fameux mur avec tout... J'adore ce mur, d'ailleurs j'espère que je pourrai le refaire dans ma future pièce. Ici, on a des petites décorations Disney, des petits portraits de mes enfants en version dessin et tout mon bazar, toute la papeterie que j'adore, mais aussi des papiers, tout ce qui est important, papier, etc. pour les papiers de la maison, etc. Donc tout est là. Nous avons mon matériel, mon matériel. Et ici, nous avons donc mon bureau. Vous le connaissez, j'avais déjà fait des vidéos un peu rangement, make-up, etc. Donc il y a tout ce qui est papeterie, bureau ici. Et dans les deux grandes tours, Alex, on a tout ce qui est make-up. Donc tout est ici, vous le voyez, et tout ça va disparaître. Même mes petites lanternes, là, mes petites lampiotes au mur, ça va changer de place. On va voir comment on va pouvoir installer tout ça après dans la future pièce, mais ça va me faire bizarre. Donc voilà, aujourd'hui je vous montre un petit peu tout ce qu'il en est, et puis tout ça va disparaître, va changer de place. J'espère que ça va le faire, hein. J'espère que ça va bien se passer, mais en tout cas, voilà. Donc j'avais mis des petites décos quand même un petit peu partout, j'ai ma fameuse tour là comme ça et voilà ça, adios. Donc là il y a la rambarde, hein, il y a déjà des escaliers pour monter et bientôt il y aura un deuxième escalier qui va être ici, donc il y aura la porte ici. Cette porte va disparaître et il y en aura une nouvelle qui va fermer cette petite pièce et de ce côté là on a l'armoire tout simplement, une armoire qui ne va pas bouger logiquement. Dans ce vlog travaux, oui, vous avez vu sûrement des petites photos ou des petites vidéos un petit peu montrant l'évolution. Et là je suis dans mon bureau, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus rien, hein. J'ai juste déplacé mon bureau ici en attendant que les travaux soient finis. Et dans ma chambre, dans mon bureau, il y a maintenant une cloison ici. Il y a ici toujours les comment ça s'appelle, le placard, et là on a une cloison. Et donc ça va être la chambre de mon fils. Et quand on sort, on a maintenant ici un trou qui va permettre de faire, de mettre les... Je suis soufflée, j'ai monté mes escaliers. Il va y avoir les escaliers qui vont être jusqu'en haut. Et donc notre étage est prêt. Là, d'après ce que j'ai compris, l'étage est prêt. Donc vous allez sûrement voir des vidéos aussi de avant après. On a demandé à l'entrepreneur de faire des petites vidéos pendant l'évolution. Donc trop cool. J'ai le nez rouge, c'est à cause de mon masque. Oui, je reviens de l'école, donc
Donc bah, vous allez voir ça et puis après on va aménager tranquillement en haut, ça va être trop cool. Et voilà, je vous retrouve dans la chambre de mon petit crapouillou. Oui, aïe, officiellement les travaux sont terminés, honnêtement. Ça a duré à peu près 2 semaines pour celles qui se posent la question. On est passé par une entreprise du coin, près de Lille, qui s'appelle Dasouza, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai les coordonnées si ça vous intéresse en barre d'infos. N'hésitez pas à me demander si j'oublie de le mettre. C'est une entreprise méga sérieuse. Ils ont bossé pendant une bonne semaine sur le grenier, en fait, et ils passaient par l'extérieur, donc pas besoin forcément d'avoir accès à la maison. C'est pour ça qu'il y avait une sorte de trou, entre guillemets, dans notre toit, parce que bah ils passaient par là, et puis le soir, ils refermaient tout, et le lendemain, ils revenaient par là, donc ça évitait d'avoir à rentrer dans la maison ou quoi que ce soit, donc c'était vraiment top. Après, évidemment, pour l'installation des escaliers qui ont été faits sur mesure, eh bien, là, ils ont dû rentrer dans la maison, donc j'étais là ces jours-là. Mais vraiment au top, une entreprise vraiment de confiance, au top, qui était vraiment à l'écoute. Moi je leur ai posé 50 milliards de questions, j'étais vraiment une relou. Et ils étaient toujours là pour m'écouter et tout, donc vraiment très très bien. Donc les travaux étaient terminés, mon mari a repeint, parce qu'on n'avait pas pris dans le forfait, a repeint du coup la chambre de mon fils en blanc, le plafond, tout ça en blanc pour l'instant. Je sais plus si je voulais filmer, mais logiquement je vous ai filmé sa petite chambre qui est simple pour l'instant. On va décorer au fur et à mesure, on attend qu'en fait l'étage soit peint aussi pour pouvoir ramener mon bazar à l'étage. Je vous montre tout de suite un petit peu l'étage, parce que ça je sais que je ne l'ai pas filmé. Les escaliers, comme je vous l'ai dit, étaient faits sur mesure, mais mon mari a dû peindre, puisque c'est un bois qui a été brut, je pense, et il fallait le peindre pour le protéger et que ça dure longtemps. Donc nous, on est en train de faire les finitions, enfin surtout mon chéri, mais du coup, bah forcément, j'ai pas pu m'installer tout de suite, donc je pense que je vous ferai un deuxième vlog où j'installerai là-haut bah, tout mon ma pièce make-up et... bureau tout simplement. J'ai une petite idée de comment je vais installer, comment je vais mettre ça en place, etc. J'espère que ça vous donnera envie de voir la suite, de voir du coup mon nouveau beauty room tour et desk tour, puisque ce sera toujours un bureau et en même temps ma pièce make-up quoi, tout simplement.
Donc n'hésitez pas tout de suite encore une fois à liker si vraiment vous voulez une deuxième partie, à me le dire aussi en commentaire parce que ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Je sais pas si cette vidéo vous aura intéressé ou pas. Pour information, le budget pour créer cette nouvel espace en hauteur, nos combles, pour aménager nos combles, nous a coûté, je crois, si je ne me trompe pas, même si je n'ai pas géré tout ce qui était papier et tout ça, nous a coûté à peu près 20 000 euros, si je ne me trompe pas. Vraiment... C'était dans les prix du marché, on avait fait d'autres devis avant pour voir un petit peu ce que ça donnait, si c'était dans ces prix-là. Cette société a beaucoup travaillé dans notre ville et il n'y a jamais eu de reproche, donc on savait qu'on allait vers quelque chose de bien logiquement, hein. On était quand même assez exigeants et on est vraiment content du résultat, donc je vous montre l'étage. Du coup pour l'instant vous voyez c'est les petits bazars des travaux, mais ici ça va être évidemment repeint. Ici nous avons fait installer une porte coulissante pour pouvoir accéder aux nouveaux escaliers. Et là tout ça c'est normal hein, parce qu'on attend de faire les finitions pour remettre les boutons etc. L'escalier donc a été repeint juste avec une couche protectrice tout simplement. Et quand on monte voilà, toc toc toc, on a notre fameuse pièce qui est en cours de ponçage pour être repeinte. C'est hyper lumineux, hein, vous le voyez, c'est super beau. Y a rien à dire. Au niveau des finitions et tout, c'est vraiment top. Donc cette pièce-là sera évidemment ici tout ce qui est mon bureau, mon installation, mon bazar. On va faire mes nouvelles vidéos, j'ai hâte, hâte, hâte. Je pense qu'ici ou ici, on va installer un clic-clac ou un BZ pour pouvoir accueillir bah, des amis ou surtout ma maman. Je pense qu'ici, on va faire tout un mur de rangement. À voir si ça se passe comme ça, mais logiquement on va mettre du rangement ici. Et là on a donc une espèce de grenier entre guillemets. Donc là on va faire tout un dressing pour stocker tout ce qui est vêtements, pour stocker les chaussures, enfin voilà, un peu les valises. Et c'est quand même une sacrée grande pièce. Hein. On peut pas, on peut y rentrer en étant au milieu tout simplement, mais bon on va pas circuler de fou dedans. Mais ça fait quand même plein de place pour ranger des choses. Je suis dans l'espace grenier, vous voyez, je passe à peine, hein, c'est vraiment pile poil, je peux pas vraiment me décaler, mais on a quand même pas mal de place pour mettre des chaussures cintres, des boîtes de rangement, peut-être, comme je vous disais, mettre les vêtements d'hiver, les vêtements d'été, selon les saisons, ranger les manteaux quand on s'en sert pas, au lieu que ça soit stocké dans les armoires et que ça prenne beaucoup trop de place. Donc avec la société, on a décidé où est-ce qu'on allait mettre les prises, à quel endroit on voulait qu'il y ait les interrupteurs, à quel endroit étaient les lumières, la couleur du Velux, la couleur aussi du... Comment ça s'appelle là, du rideau pour le Velux. Donc moi j'ai choisi un espèce de beau gris, il est trop trop beau. On a choisi aussi évidemment le parquet, on a choisi évidemment l'escalier, la couleur que l'on voulait pour l'escalier, la forme de la rambarde, on a absolument tout choisi. Donc pour l'instant il n'y a pas de radiateur dans cette pièce, donc il fait un peu frais, mais ça reste... hein. Et j'attends que du coup mon chéri finisse de poncer, je crois qu'il a quasi fini, pour faire ses deux couches de peinture blanche. Et pour l'instant, ça va rester du blanc et après, je pourrais m'installer. J'ai des idées de petits meubles à acheter chez Ikea, si j'arrive à commander. Hein, faut voir, parce que vu que tout est vermé, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, vraiment, c'est un sacré bel investissement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup, je l'espère, pour une deuxième partie de ce vlog. Installation de mon rangement make-up. Sûrement, il y aura sûrement du tri make-up, du tri de papeterie. Parce que j'avoue que j'ai retrouvé plein de stickers et de bazar, de scraps. Il va falloir que je fasse du tri. Donc on se retrouvera sûrement dans une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous de mon nouvel étage.